Salut les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de caméra. Nous n'allons pas parler de caméra à pellicule, mais plutôt de caméra numérique. De nos jours, nous avons plusieurs types de caméras avec des utilisations bien particulières. Commençons tout de suite par la crashcam. La plus connue est sûrement la GoPro, une caméra dite incassable. Elle se distingue par ses multiples systèmes de fixation pour des prises de vue incroyables. Passons au bridge. Les appareils bridge, c'est des appareils photo avec des objectifs non interchangeables. Sur X10, j'adore parce qu'il y a une fonction slow motion. Alors, je vais vous balancer quelques exemples. Passons maintenant aux réflexes. Les réflexes sont des appareils photo avec des objectifs interchangeables. Pour la petite anecdote, c'est mon premier appareil photo professionnel avec pour l'époque un mode vidéo vraiment pas mal. Mais avec en plus, quand on prend les bonnes optiques Canon, il y a un petit cachet cinéma sur les vidéos. Je l'adore. Pour cette vidéo, j'utilise un Canon 90D qui filme en 4K. Extrait. Bien sûr, certaines caméras peuvent monter beaucoup plus haut en résolution, comme par exemple la Blackmagic 12K. Bien sûr, il y a des caméras cinéma vraiment très haut de gamme. Les plus connues sont Red et Arri. Je n'ai pas évoqué tout l'écosystème qu'il y a autour d'une caméra, comme tous les équipements, Matbox, Follow Focus, mais je garde ça pour une prochaine vidéo, parce que c'est un gros sujet. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. Dites-moi quelle caméra vous possédez ou quelle caméra vous fait rêver. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, à plus. J'espère qu'elle est bonne celle-là parce que je galère. Bonne ménage. Tu pleures. Je pleure. Je m'étrangle.